Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de juin. C'est le sixième mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies. Seigneur, nous voici arrivés au mois de juin, ce qui veut dire que nous venons de parcourir déjà la moitié de l'année. Je veux te rendre grâce pour tes bontés qui n'ont jamais cessé de se renouveler sur ma vie. Chaque jour, tu as été fidèle à mon égard. Chaque jour, tu m'as accompagné sur mon chemin. Tu m'as gardé, tu m'as guidé, tu m'as béni. Tu n'as jamais détourné ton regard de ma vie. Et même si je ne comprends pas toujours les voies que tu me fais suivre, même si je ne comprends pas toujours les choses qui m'arrivent, je sais que je peux avoir totalement confiance en toi, car tu m'aimes d'un amour éternel. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans limite à mon égard. Voilà pourquoi j'avance chaque jour avec confiance et assurance à tes côtés. Seigneur, je te prie qu'en ce nouveau mois de juin, tu me révèles toujours plus la valeur de ton amour pour moi. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Juin, c'est J. J comme je t'aime. Mes bien-aimés, voyez et sentez combien l'Éternel est bon à votre égard, combien son amour est inconditionnel et sans limite, combien ses bontés sont innombrables et bienveillantes sur votre vie. Parfois, nous n'en avons pas vraiment conscience, mais lorsque nous nous arrêtons un instant sur le rythme effréné de nos journées, nous pouvons entendre sa merveilleuse et douce voix nous diriger à chaque instant de la journée. Mes bien-aimés, je vous invite à tendre l'oreille ce matin. Je vous invite à écouter ce que nous dit notre Dieu. Je vous invite à entendre la parole qu'il nous adresse dès le lever du soleil chaque jour. Mon enfant, lorsque tu t'es réveillé ce matin, j'étais déjà à tes côtés. Je t'ai observé et j'ai espéré en silence que tu m'adresserais au moins une parole, même une toute petite. Par exemple, en me demandant mon opinion et en me remerciant pour ce nouveau jour qui se lève, ou que tu me dises quelque chose de beau qui te serait arrivé durant la journée d'hier. Mais j'ai remarqué que tes pensées n'étaient tournées que sur la recherche de tes vêtements que tu mettrais pour cette nouvelle journée qui commençait. Alors, j'ai attendu patiemment à tes côtés, en espérant que tu me parles un peu lorsque tu aurais fini de t'apprêter pour aller au travail. Mais tu n'as pas eu de temps pour moi. J'ai continué patiemment à t'attendre pendant que tu courais dans toute la maison pour t'habiller et te préparer. Si tu l'aurais voulu, tu aurais pu avoir un peu de temps pour t'arrêter quelques minutes et me dire « bonjour », mais tu étais trop occupé. C'est pourquoi j'ai allumé les cieux pour toi. Je les ai remplis de merveilleuses couleurs et de chants d'oiseaux. J'avais espoir qu'avec cela, tu aurais pu peut-être tourner le regard vers moi, mais tu ne t'es même pas rendu compte de ce merveilleux ciel qui s'ouvrait au-dessus de ta tête et que j'avais dessiné spécialement pour toi ce matin. Si tu pouvais entendre mon cœur, tu comprendrais à quel point ton attitude me rend tellement triste parfois.
Alors j'ai mêlé mes larmes à la pluie qui tombait ce matin-là pour toi, afin que tu comprennes la tristesse qui était en moi. J'aimerais tellement que tu puisses entendre chaque fois que je te dis « je t'aime » par des ciels bleus et le calme des verts pâturages. Chaque fois que je te le murmure dans les feuilles des arbres et que je l'écris dans les couleurs des fleurs. Chaque fois que je te dis « je t'aime » et que je le crie dans les torrents des montagnes. Chaque fois que je te dis « je t'aime » et que je donne à tous les oiseaux du ciel des chansons d'amour à te chanter. Chaque fois que je te dis « je t'aime » et que j'habille de la lueur chaleureuse du soleil et que j'aromatise l'air du parfum de la nature. Mon enfant, mon amour pour toi est plus profond que l'océan et bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Si tu pouvais juste un instant entendre mon cœur qui bat d'amour pour toi, tu saurais alors à quel point je t'aime. Aujourd'hui, tu as l'air tellement triste, tellement seul, et cela me brise le cœur. Je sais parfaitement ce que tu ressens, et je te comprends très bien, car bien souvent, mes enfants m'ont aussi laissé tomber, et m'ont blessé bien souvent. Si seulement tu pouvais partager avec moi ta solitude, tes angoisses, tes peurs, tes ressentiments. Si tu pouvais déverser tout ce que tu as sur le cœur, tu te rendrais compte que ce serait bien plus facile et beaucoup moins douloureux pour toi à porter. Je suis certain que je pourrais t'en soulager. Si seulement tu voulais bien m'accorder un peu de ton temps, une chance de te parler. Si seulement tu voulais m'écouter lorsque je te dis « je t'aime » et que jamais je ne te laisserai tomber. Je suis là pour toi. Tu sais, je t'ai observé durant toute la journée. Et je t'ai même accompagné dans tout ce que tu as fait. J'étais là, en silence, à tes côtés, et j'ai attendu patiemment que tu te tournes ne fût-ce qu'un instant vers moi et que tu me demandes un conseil, que tu ressentes ma présence à tes côtés. Mais avec tout ce que tu avais à faire, à diriger et à penser, tu as été bien trop occupé et tu ne t'es même pas rendu compte que j'étais là pour toi. Vers la fin de la journée, j'ai constaté une immense fatigue sur ton visage. Tout ce que tu as affronté durant cette journée a été éprouvante pour toi et t'a épuisé. J'ai pensé alors te rafraîchir un peu en faisant tomber une légère brise sur toi pour que tu puisses être restauré et revigoré de cette journée. Tu sais, c'était un don que je te faisais. Mais cela ne t'a pas plu comme je l'aurais espéré. Alors tu t'es énervé contre moi, m'accusant de ne jamais rien faire de bon pour toi. En rentrant chez toi, le premier geste que tu as eu, c'est d'allumer ta télévision et ensuite de passer des heures sur ton téléphone. Alors, j'ai attendu patiemment pendant tout ce temps, à tes côtés. Ensuite, tu as soupé, mais tu étais tellement préoccupé par tes affaires personnelles que tu as de nouveau oublié de m'adresser la parole. Pas un seul merci pour ce beau repas que tu savourais et qui te plaisait tant. Pas un seul regard, aucune pensée. Aucune parole pour tout ce que je te donne jour après jour. Ensuite, encore une fois, j'ai remarqué que tu étais terriblement fatigué et j'ai de suite compris ton désir d'un moment de tranquillité, de calme et de repos. Voilà pourquoi j'ai fait tomber le soleil et j'ai étendu dans le ciel une magnifique couverture d'étoiles avec la lune étincelante en son centre. C'était un spectacle magnifique que j'ai créé spécialement pour toi. Mais malheureusement, tu ne l'as même pas remarqué. Et maintenant, voilà, il est l'heure de te coucher. Après avoir souhaité une bonne nuit à ton mari, à tes enfants, à toute ta famille, à tes amis même, tu t'es allongé et tu t'es endormi de suite, sans la moindre pensée à mon égard. Tu sais, mon enfant, cela me brise le cœur. Que tu sois si indifférent envers moi parfois. Pourtant, je t'aime tellement que j'ai accompagné tes rêves avec une douce musique et de douces pensées, et mes anges ont veillé sur toi tout le long de la nuit. Si tu savais à quel point ils t'ont gardé de mauvaises choses durant toute la nuit, je crois que tu ne cesserais de me remercier de les avoir placés à tes côtés. Mon enfant, j'aimerais tellement que tu puisses te rendre compte à quel point je t'aime et à quel point je suis toujours à tes côtés. Tu sais, j'ai plus de patience que tu ne peux l'imaginer et j'aimerais tant t'enseigner à en avoir plus avec les autres et de les aimer comme moi je t'aime. Je t'aime tant, à un point que tu ne peux même pas imaginer.
Je t'aime tellement que j'attends jour après jour ce merveilleux moment où tu vas enfin me parler, où tu vas enfin réaliser que je suis toujours à tes côtés. À chaque instant, à chaque épreuve, j'attends impatiemment cet instant où tu vas enfin te rendre compte à quel point je t'aime et tout ce que je ferai pour toi. J'aimerais tant que tu me parles, que tu penses à moi, que tu me demandes mon avis sur tout ce que tu fais durant la journée, car je pourrais tellement alléger ton travail. J'ai des solutions et des stratégies entre mes mains qui pourraient tellement te faire gagner du temps. J'aimerais aussi tellement que tu apprennes à me connaître au travers ma parole, au travers mes serviteurs que j'ai placés sur ton chemin pour qu'ils te parlent de ma bonté et des projets que j'ai pour ta vie. J'aimerais tant que tu te rendes enfin compte de tout ce qui vient de ma main et que tu ne peux rien faire sans moi. Que tu te rendes compte que tous les dons que je t'ai donnés sont le fruit de mon amour pour toi. Chaque jour qui se lève, je désire tellement que tu puisses me parler, te confier en moi. Demande-moi, parle-moi, crie vers moi, regarde-moi, je suis à tes côtés et je prends soin de toi chaque jour qui se lève. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. Sache que chaque matin, je te donne de nouveau le souffle de la vie. Chaque matin, je te donne la force de te lever et d'accomplir tout ton travail. Chaque jour, je te donne une nouvelle occasion de voir ta femme, de voir ton mari, tes enfants, ta famille, tes amis, tes collègues. Le sais-tu que tout cela vient de ma main? Chaque matin, je te donne une nouvelle opportunité de faire le bien autour de toi et de te repentir de tes péchés, d'être guéri de toutes tes maladies. Chaque jour qui se lève est une grâce qu'il ne faut pas mépriser. Oh mon enfant, je t'aime, mais souviens-toi, toi aussi, chaque jour, qu'un jour, tout va s'arrêter devant toi. Et ensuite, il sera trop tard pour penser à moi et vouloir vivre avec moi alors que tu m'as toujours ignoré durant tout ce temps que je t'ai accordé ici-bas. Eh bien voilà, maintenant tu sais ce que j'éprouve jour après jour, chaque jour qui passe sans que tu ne penses à moi. Et maintenant tu sais ce que j'attends de toi. Juste une pensée, juste un regard, juste une parole et ta vie entière pourrait changer. Sache que je serai encore là demain pour toi. Ce jour marche vers son terme et demain se lèvera un nouveau jour sur ta vie. Vas-tu te réveiller à nouveau et passer cette nouvelle journée de la même manière que celle-ci? Ou vas-tu l'affronter avec moi en ayant conscience que j'ai tout créé pour toi? Vas-tu enfin lever les yeux vers le ciel et contempler la beauté de ma création qui crie chaque jour mon amour pour toi? Mon fils, ma fille, sors de tes pensées, regarde autour de toi, profite un peu de la vie que je t'offre. Je t'aime et encore une fois, j'attends patiemment qu'on puisse passer un agréable moment ensemble. Comme un père le passe avec son fils, le passe avec sa fille. Je t'attends avec tout mon amour, ton Père céleste qui t'aime. Juin, c'est U. U comme une bénédiction pour chaque jour. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Toi, Sion, tu disais, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Mon frère, ma sœur, tu dis que tu n'es pas béni, que l'Éternel ne prend pas soin de toi, qu'il ne voit pas ce que tu endures dans ce monde. Chaque jour, tu es oublié de ton Dieu. Mais sache que Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Et son regard est posé sur toi. Il est posé sur chacun d'entre eux et il travaille sur leur vie, même dans le silence. Oui, il est là où tu ne l'attends pas. Il est là où tu ne le vois pas. Et il est là où tu ne l'attends pas.
Le problème, c'est que tu es trop concentré sur toi-même pour le comprendre. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, et à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors, mon frère, ma sœur, si tu pouvais juste un instant réaliser que son regard est posé sur ta vie et combien tu es important, importante à ses yeux, et que chaque matin, il use de sa bonté et de sa miséricorde à ton égard, qu'il travaille dans le silence pour te préparer chaque jour une bénédiction particulière. Chaque matin, chaque jour est une grâce qu'il t'accorde. Chaque jour, il porte ses désirs vers toi et il voudrait accomplir un miracle dans ta vie. Mon frère, ma sœur, chaque jour, il remet entre tes mains tout ce qui t'est nécessaire pour vivre pleinement ta vie. Regarde. Mon frère, ma sœur, regarde, regarde et réalise. Arrête-toi un instant et prends conscience des bénédictions qu'il t'accorde chaque jour qui se lève. Chaque matin, tu reçois le souffle de la vie pour te lever et travailler de tes propres mains. Chaque jour, tu manges ton pain et tu es rassasié. Chaque jour, tu bois de l'eau et tu es désaltéré. Chaque jour, tu as de quoi t'habiller et sortir de chez toi sans avoir froid. Chaque jour, tu peux te reposer dans un lit et rester à l'abri des intempéries dans ta maison. Chaque jour, tu as la force de te rendre à ton travail et d'accomplir tout ce que tu dois faire. Tu as la santé, même si parfois tu passes par une maladie. Dieu te relève, Dieu t'accompagne, Dieu te fortifie et Dieu te guérit. Tu es entouré de personnes qui t'aiment, même si tu ne le vois pas. Crois-moi, il y a toujours au moins une personne à tes côtés qui t'aime pour qui tu es et non pas pour ce que tu lui apportes. Tu as un mari, tu as une femme qui est à tes côtés en tout temps et en toutes circonstances, qui est là pour toi, pour porter le fardeau de chaque jour. Tu as le privilège d'avoir des enfants qui sont le fruit de l'amour de ton couple et qui sont en bonne santé. Tu as un travail, tu as des revenus suffisants pour avancer chaque jour. Tu as un toit, tu as un abri. Tu as une voiture et tu as bien plus qu'il ne te faut pour vivre confortablement chaque jour. Tu vis dans un pays, peut-être même là où il n'y a ni guerre, ni famine, ni ouragan, ni inondation, ni tempête, ni révolution, ni persécution pour ce que tu crois ou pas. Penses-tu que tout cela ne soit que le fruit du hasard? Certainement pas. Dieu veille sur toi jour et nuit. Il pense à toi à chaque seconde et désire mettre en place tout ce qu'il faut pour ton bonheur. Et là, je ne parle que des choses qui appartiennent à ce monde et qui font ton bien-être matériel et physique. Et si je te disais que tu as reçu bien plus que tout cela? Imagine un peu le privilège que tu possèdes. Tu fais partie de ces milliers de privilégiés qui ont eu le choix de choisir en qui ils veulent croire. Un jour, Dieu s'est fait connaître à toi. Il s'est présenté dans ta vie et il t'a appelé à le suivre. Chaque jour, il te donne la force de le suivre malgré les déceptions, malgré les problèmes que tu rencontres, sur ce chemin qui est difficile parfois, étroit, rocailleux, parsemé d'embûches. Mais tu arrives à marcher pas après pas et jour après jour. Il t'a racheté par son sang précieux. Il t'a pardonné de tous tes péchés et il te donne gratuitement la guérison pour toutes tes maladies et toutes tes infirmités. Il t'a promis qu'il détruira toutes les œuvres de l'ennemi qui veille sur ta vie pour te faire tomber et qu'il te donnera une vie de victoire et d'abondance. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je te le dis aujourd'hui, il y a une bénédiction pour chaque jour devant tes pas. Oui, réalise qu'il a toujours été là pour toi, toujours été là pour te relever dans les pires moments de ta vie. Même quand tous t'ont abandonné, il est resté fidèlement à tes côtés. Non, non, tu n'as jamais été abandonné, jamais été oublié, jamais été rejeté. Il a toujours été là, avec toi.
Tu fais peut-être même partie de ces milliers de personnes qui ont reçu un énorme miracle dans leur vie. Une restauration de couple, la restitution de tout ce que l'ennemi leur a volé, une guérison miraculeuse d'une maladie qui te menait tout droit à la mort, la restauration de ta famille, de tes blessures intérieures. Mes bien-aimés, il y a tellement plus encore que l'on pourrait dire à ce sujet. Non, Dieu ne t'a jamais abandonné. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné l'un de ses enfants. Jamais. Oh non, jamais. Aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Dieu n'abandonne personne. Il bénit tous ses enfants, jour après jour. Et même si les bontés de Dieu sont parfois invisibles à nos yeux, elles ne le sont pas pour autant irréelles dans notre vie. Chaque jour qui se lève entraîne à sa suite une bonté que l'Éternel a conçue pour ta vie, mon frère, ma sœur. Oui, mes bien-aimés, soyons donc des enfants reconnaissants, sachant que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies et que personne n'est oublié devant sa face. Jeunes et vieux, petits et grands, riches et pauvres, personne n'est oublié devant sa face. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je t'invite à lui rendre grâce, à lui dire merci pour toutes les bénédictions qu'il a posées sur ta vie jour après jour. Oui, viens tel que tu es et que ton cœur soit rempli de reconnaissance envers celui qui fait concourir toutes choses pour ton bien, jour après jour. Joint, c'est I. I comme invoque-moi et je te répondrai. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. En effet, les livres saints disent « Il y a des choses que les yeux ne voient pas et les oreilles ne les entendent pas. » Les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Mon frère, ma sœur, il existe plusieurs dimensions dans ce monde. Il existe le monde physique, matériel, naturel, visible à l'œil nu, celui dans lequel nous vivons et marchons durant notre vie terrestre. Mais il existe aussi le monde spirituel, celui qui est surnaturel et invisible, et dans lequel les esprits qui nous entourent bougent, agissent et impactent notre monde physique. Ce sont deux mondes totalement opposés, deux mondes totalement différents, mais tout aussi réels l'un que l'autre. Il existe donc des choses visibles que nous pouvons voir à l'œil nu et des choses invisibles que nous ne pouvons pas voir physiquement. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu pour la victoire qu'il nous donne. Oui, il y aura des combats, mais à chaque combat, il y aura aussi une nouvelle victoire. Oui, ils seront journaliers, c'est vrai, mais ils feront grandir ta foi chaque jour et maintiendront la flamme de ta foi allumée. Si nous n'avions qu'un combat, de temps en temps, nos vies de prière s'éteindraient, notre foi diminuerait et nous nous endormirions sur notre chemin, comme les cinq vierges folles, qu'il n'avait pas d'huile en réserve. Oui, les combats seront difficiles, ils seront éprouvants, mais c'est précisément ce qui fera augmenter ta foi. C'est ce qui te rendra de plus en plus fort, comme un athlète qui prend une charge toujours plus lourde pour augmenter sa force.
Voilà ce qui fait la différence entre quelqu'un qui accepte Dieu dans sa vie et quelqu'un qui ne l'a pas. Pour chaque combat, Dieu veut nous parler. Voilà pourquoi il nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Pour chaque difficulté que nous rencontrons, il aimerait nous donner la solution. Voilà pourquoi il nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Pour chaque chose qui nous arrive dans la vie, Dieu connaît déjà son déroulement et il sait quelle est la meilleure façon d'aborder la difficulté, quel est le chemin à éviter, quel chemin à emprunter. Il voudrait déjà te donner de nouvelles forces avant que tu ne sois découragé. Il voudrait déjà te parler avant que tu ne te poses des questions, t'équiper pour la suite de ton chemin. Mais pour cela, tu as besoin de passer du temps avec lui, dans sa présence. Tu as besoin d'invoquer son nom pour qu'il te réponde et qu'il te dise quoi faire, comment le faire et quand le faire. C'est là, dans le secret de ta chambre, qu'il voudrait te parler, qu'il voudrait te consoler, qu'il voudrait te conseiller. Oui, Dieu a des choses à nous dire, mes bien-aimés. Et c'est son plus grand désir que nous venions dans sa présence et que nous prenions la meilleure part, comme Marie, la sœur de Marthe, et que nous écoutions ses conseils pour recevoir le meilleur dans notre vie. Oui, Dieu veut te parler, mon frère, ma sœur. Il désire t'annoncer des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu n'as jamais encore entendues et que tes yeux n'ont jamais vues et que ton cœur n'a jamais reçues. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu veut te parler, mon frère, ma sœur. Il désire t'équiper pour la prochaine étape, pour ton prochain combat, afin que tu ne sois pas pris au dépourvu. Dieu veut te parler et il désire t'annoncer les choses qui te sont cachées. Quelqu'un qui prépare un piège pour toi, un complot contre toi. Il veut te préparer pour cette situation, que tu déjoues ce piège avec son aide, à sa façon, et que les plans de ton ennemi soient déjoués, anéantis. L'ennemi n'est pas plus fort que nous, à la seule condition que nous demeurions aux côtés de Dieu. Sinon, nous subirons ses attaques et nous serons blessés, meurtris, peut-être même détruits intérieurement. Et ce n'est pas ce que Dieu désire pour ses enfants. Il n'y a rien de caché que Dieu ne sache à l'avance. Personne ne peut le surprendre. Rien ne peut le prendre au dépourvu. Il n'est jamais à court de solution. Au contraire, avec le problème, il a déjà préparé une porte de sortie, une solution pour que tu en viennes à bout. Il nous promet qu'aucune tentation ne nous sera donnée au-delà de nos forces, si nous lui faisons confiance. Il n'y a qu'une infime marche entre le visible et l'invisible, mon frère, ma sœur. Tout est dans le regard que nous portons sur les choses qui nous arrivent. Oui, demande à Dieu qu'il t'ouvre les sens spirituels, afin que tes yeux voient ce qui se cache dans l'invisible, dans la dimension céleste. Vois les choses avec le regard de l'Éternel et non plus avec ton propre regard humain. Si tu reconnais la main de Dieu dans les petites choses, tu le verras aussi agir dans les plus grandes. C'est pourquoi nous devons rester dans la présence de Dieu afin qu'il nous ouvre par son esprit la vue spirituelle et que nous voyons et déjouons les attaques spirituelles qui viennent contre nous pour nous éloigner des plans parfaits que Dieu a pour notre vie. Mon frère, ma sœur, invoque-le sur ta vie. Invoque-moi et je te répondrai, dit-il. Et tu verras la délivrance que l'Éternel te donnera au nom de Jésus. Joint, c'est N. N comme ne t'arrête pas. On éprouve parfois le besoin de s'arrêter. Oh, il n'y a rien de dangereux à s'arrêter pour faire le point. Mais au contraire, il réside un grand danger lorsqu'on prolonge l'arrêt et on y demeure pour ne plus jamais repartir. Car une fois stoppé, lorsqu'il nous faut repartir, cela nécessite un gros investissement de courage et de foi. Car la séduction atteint souvent les chrétiens qui ont cessé de marcher à la suite de leur maître. L'Éternel voulait sauver la vie de Lot et sa famille. Il lui recommanda de ne pas regarder en arrière et de ne pas s'arrêter, afin qu'il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qu'il ne s'assoie pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui, bienheureux l'homme qui ne cherche pas conseil auprès des gens en révolte contre Dieu, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne se laisse pas entraîner sur le sentier des pécheurs pour s'y arrêter pendant un moment.
Heureux celui qui ne s'assied pas et ne s'installe pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plutôt son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui, bienheureux celui qui met sa joie, son bonheur dans la parole du Seigneur et qui s'imprègne de cette parole jour et nuit. Il est ferme comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne toujours son fruit en sa saison et qui vient au bon moment. Sans cesse, son feuillage refleurit. Sans se faner, il ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il a commencé, il arrive à le finir. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel prend en charge la voie que suivent les justes, mais le sentier des méchants est un sentier sans issue. Mon frère, ma sœur, tu sais quel est le véritable chemin. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Marche droit devant toi, sans jamais t'arrêter, sans jamais te dévier, que tes pas restent bien droits, qu'ils ne chancellent ni à gauche ni à droite. Détourne-toi de la voie du pécheur et règle tes pas selon la parole de l'Éternel. Prends garde, ne t'arrête pas un instant pour douter de l'appel que Dieu a proclamé sur ta vie. Ne t'arrête pas, marche droit devant, sans écouter les moqueurs et les rebelles. Passe ton chemin face à ces gens-là. Ne les écoute même pas, car leur destin est déjà tout tracé et il n'a rien en commun avec le tien. Paul nous avertit de ne pas nous laisser séduire par ceux qui disent « mangeons et buvons », car les mauvaises compagnies et leurs conseils ruinent, dégradent le plus résolu d'entre nous. Que faire alors? Nous ressaisir et revenir aux pieds du Seigneur, qui sauve du mauvais pas celui qui revient à lui et lui permet de reprendre le bon chemin. Mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas. Il est vrai que ce qui frappe le regard peut nous déstabiliser pour un temps. Mais cela ne doit pas nous stopper dans notre marche. Samuel a retenu ceci, que Dieu ne regarde pas comme nous, à l'apparence, mais bien plus au cœur. Devant notre porte fermée, Jésus frappe. Il aimerait entrer pour tout partager avec nous et nous aider à repartir là où nous sommes tombés. C'est pourquoi ouvrons donc à Jésus la porte de notre cœur, avant de tomber, avant de nous arrêter, avant qu'il ne soit trop tard. La vie de Lot nous rappelle des leçons spirituelles de grande importance. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi, va vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Et dans votre vie, mes bien-aimés, apprenez à faire ces trois choses. Sauve-toi pour ta vie, marche avec Dieu et travaille à ton salut. Ne t'arrête pas, ne laisse rien ni personne t'arrêter dans ta marche. Et ne te retourne pas, ne te retourne pas, avance. Ne retourne pas en arrière, avance. Mes bien-aimés, la persévérance dans l'épreuve nous rend plus forts. Alors, ne t'arrête pas, mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas. Vous pouvez vous aussi choisir de développer un caractère qui résiste à toute épreuve, mais cela dépendra du temps et de la persévérance que vous investissez pour cela. Certains pensent que pour être fort, il ne faut pas avoir connu d'épreuve. Il faut avoir eu une belle vie. Mais ne vous y trompez pas, cela n'est pas vrai. Les personnes les plus fortes sont justement celles qui sont passées par les pires épreuves dans leur vie, qui ont fait les pires guerres et qui portent les pires cicatrices en eux. Mais elles ont toutes un point commun. Au lieu d'abandonner face à la pression des épreuves, elles ont fait le choix de toujours persévérer dans la foi. Elles n'ont rien lâché et ne se sont pas arrêtées face à leurs épreuves. C'est grâce à sa persévérance face à l'adversité que le roi David est devenu fort au point de garder la foi face à des armées entières qui l'entouraient. C'est grâce à 25 ans de persévérance dans la foi face à l'épreuve, l'attente d'Isaac, que la foi d'Abraham fut menée à la perfection. C'est grâce à sa détermination et son intégrité à toute épreuve que Joseph fut établi gouverneur d'Égypte après des années consécutives d'épreuves interminables. Mes bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais vous encourager à ne plus voir les épreuves
comme le diable le voit, mais plutôt les voir comme Dieu les voit. Faites tous vos efforts en ce nouveau mois pour changer votre façon de voir, pour changer votre vision des choses. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas et ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. Cesse de te faire voler ta bénédiction. Mon frère, ma sœur, écoute ceci. Cesse de te faire voler inlassablement tes bénédictions par l'ennemi. Le diable voit l'épreuve comme un moyen de vous détruire et de vous freiner. Alors que Dieu, lui, voit l'épreuve comme un moyen de vous rendre plus fort, de vous rendre inébranlable et d'acquérir un caractère mature en Christ pour bien gérer l'appel qu'il vous a confié. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que nous, enfants de Dieu, nous devrions nous réjouir à la vue des épreuves, car il sait que l'épreuve peut devenir un instrument de perfectionnement de notre caractère et de notre foi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors je te le répète encore une fois, mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas. Comprends le processus de croissance par lequel Dieu veut te faire passer et pour quel but il le fait. Plus un homme est fort physiquement, plus il pourra supporter de lourdes charges. De même, plus un homme est fort intérieurement, plus il sera capable de supporter de lourdes épreuves. Tout homme, quel qu'il soit, quel que soit son passé, sa morphologie, son origine, peut devenir physiquement fort. Et pour cela, il lui suffit de deux ingrédients, une bonne alimentation et un entraînement physique quotidien et régulier. Si cela est valable pour l'homme extérieur, il en est de même pour l'homme intérieur, qui se fortifie grâce à une bonne alimentation spirituelle, qui vient de la parole de Dieu, et un entraînement spirituel quotidien et régulier. Oui, il faut persévérer dans l'épreuve, c'est-à-dire continuer à avancer malgré les vents contraires. Alors, mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas. Cette épreuve n'est pas pour la mort. Ne t'arrête pas. Ne laisse jamais l'adversité, l'épreuve t'arrêter. Si vous avez commencé une œuvre, un projet, n'abandonnez pas à cause de la pression, à moins que Dieu lui-même vous demande d'arrêter. Au contraire, soyez forts et persévérez dans l'épreuve. Persévérez dans tous les défis que la vie vous mettra devant vous. Ne t'arrête pas, mon frère, ma sœur. Persévère dans ton mariage, même s'il y a des tensions, même s'il y a des incompréhensions. Ne t'arrête pas et persévère avec tes enfants, même s'ils sont difficiles et même s'ils sont rebelles. Reprends-les, corrige-les et enseigne-les avec douceur et persévérance. Et tu verras qu'ils s'en souviendront beaucoup plus tard. Ne t'arrête pas et persévère dans tes entreprises, dans les engagements que tu as pris et qui ne produisent peut-être pas au jour d'aujourd'hui le fruit que tu avais espéré. Ne t'arrête pas et persévère dans le ministère que Dieu t'a confié, même s'il y a peu de personnes, même si c'est difficile de gérer le travail, la famille et le ministère. Persévère, persévère et ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Persévère à croire que les promesses de Dieu s'accompliront tôt ou tard dans ta vie, même si tu ne vois que le contraire devant tes yeux. Ne t'arrête pas, persévère, imite ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ne t'arrête pas et persévère, car c'est ainsi qu'après avoir persévéré en imposant les mains mille et une fois, atteinte par un cancer sans le moindre résultat, le pasteur Bill Johnson et son équipe ont vécu une percée miraculeuse dans la guérison divine, au point qu'ils ont, par la suite, vidé l'étage de cancérologie à l'hôpital de la ville, au point que les gens appelaient cette ville la ville du miraculeux. Surtout, n'abandonne pas à cause de la pression. Car si tu abandonnes, tu risquerais de dire au diable « Je crois plus en ce que je vois que dans les promesses que Dieu m'a faites et que je ne vois pas. » Mais si au contraire, tu continues à avancer à contre-courant, tu ne t'arrêtes pas et tu persévères en te rappelant de toutes les promesses que Dieu t'a faites, alors tu te fortifieras dans la foi et Dieu te rendra, comme il te l'a promis, inébranlable.
Si cette épreuve te semble insurmontable, mets-toi à genoux, pleure devant le Seigneur, déverse entièrement ton cœur à ses pieds, remets-lui ta destinée et tes inquiétudes entre ses mains et il te fortifiera dans ton être intérieur. Ensuite, relève-toi, essuie tes larmes, remets-toi en route et persévère. Nourris ta foi avec les promesses que Dieu t'a faites. Ensuite, muscle ta foi chaque jour en résistant aux épreuves qui surviennent. Et tu verras qu'alors, tout à coup, tes muscles spirituels seront tellement devenus forts que tu seras devenu capable non seulement de déplacer les montagnes, mais aussi de supporter des épreuves bien plus lourdes que celles que tu as traversées jusqu'à ce jour. Alors, mon frère, ma sœur, je te le redis une dernière fois, ne t'arrête pas et persévère avec Dieu, car nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce pour ce nouveau mois que tu ouvres devant mes pas. Merci pour ton amour, ta grâce, ton pardon et ta faveur divine à mon égard. Je te remercie pour toutes les bontés que tu renouvelles chaque jour sur ma vie. Chaque jour qui se lève, tu proclames ton amour à mon égard en me disant « je t'aime mon enfant, passons un peu de temps ensemble, encore aujourd'hui ». Chaque jour, tu m'invites à tourner le regard vers toi et à partager des moments privilégiés en ta présence. Oh, quel privilège, quelle grâce, Seigneur, tu me fais là. Pardonne-moi pour mon ingratitude à ton égard. Pour chaque jour où je ne vois aucune de toutes ces petites attentions que tu places devant mes yeux pour attirer mon attention vers toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'entends pas lorsque tu m'appelles. Pardonne-moi pour toutes les fois où je ne prends pas un peu de temps pour t'adresser quelques paroles. Pardonne-moi pour mon indifférence à ton égard alors que tu t'es complètement dépouillé pour me donner un accès à la vie éternelle. Je sais que ton plus grand désir est de passer du temps avec moi, non seulement pour la vie éternelle, mais encore bien plus pour cette vie ici-bas. Je te rends grâce car je sais que tu travailles dans les coulisses de ma vie jour après jour. Merci car il existe une bénédiction pour chaque jour que je passe ici-bas. Merci pour tes grâces, merci pour tes bénédictions, merci pour le soleil que tu fais lever chaque jour sur ma vie. Merci pour la lune qui éclaire les ténèbres durant la nuit. Merci pour ta protection divine à mon égard, pour tes anges qui gardent chacun de mes pas. Merci pour ma famille, pour mon foyer, pour mon travail. Merci de m'avoir sauvé et d'être si présent dans ma vie de tous les jours. Chaque jour, tu me dis « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi sur ta vie et je vais la changer. Invoque-moi lorsque tu es dans la détresse et je viendrai à ton secours. Invoque-moi au milieu des tempêtes qui s'élèvent dans ta vie et je les calmerai. Invoque-moi lorsque les murs d'impossibilité s'élèvent dans ta vie pour te stopper et je les ferai tomber à tes pieds. Invoque-moi le jour, invoque-moi la nuit, invoque-moi quand tout va bien et encore plus quand tout va mal, quand tout semble s'effondrer devant tes pas. Et je te montrerai qu'avec moi, tu seras capable de tout surmonter, de surmonter n'importe quel défi qui se présente dans ta vie. Mais surtout, ne t'arrête pas, ne t'arrête surtout pas, continue. Avance, persévère, encore un pas de plus et tu sortiras vainqueur de tous tes problèmes et de toutes tes difficultés. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que j'ai déclaré sur ta vie, je l'accomplirai pour toi. Ne t'arrête surtout pas, va de l'avant, sois fort et courageux, sois intègre et audacieux. Je suis avec toi, ensemble nous allons y arriver. Lorsque tu traverseras les eaux, je serai avec toi et la flamme ne te brûlera pas. Je suis avec toi, avance, ne t'arrête surtout pas. Car la promesse est pour toi et pour tous ceux qui sont avec toi. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te tiens par mon bras tendu et par ma droite victorieuse. Alors ne t'arrête pas, car je suis ton Dieu, je te rends plus que vainqueur en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie et soyez plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Soyez bénis infiniment, abondamment et bien au-delà de vos espérances en ce nouveau mois de juin. Amen.